Si vous voulez jouer ça, moi j'ai un petit cahier de chant avec les accords si vous voulez. Comme vous voulez. Moi, pas de soucis, tout va bien. Moi je me rappelle qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de monde et maintenant, c'est rempli. Ok. Presence of God, Jesus. Ok. Je pense pas vous avoir dit de vous asseoir, mais c'est vous qui voyez. Alléluia. On entend bien, c'est bon? Le son est good? Super. On va pouvoir avancer. Donnons toute la gloire au Saint-Esprit. La gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Père, nous te louons, nous te remercions pour ces instants particuliers dans ta présence. Nous te bénissons et nous te demandons de prendre le contrôle d'absolument toute chose qui va se passer en ce lieu, en ce point d'ancrage, en cette zone qui a su pendant tant d'années ouvrir le ciel. Nous prions pour que tes anges montent et descendent, qu'ils puissent passer librement. Nous voulons voir ta gloire et nous disons Seigneur, aucune personne en ce lieu ne repartira comme elle est venue. Nous proclamons les guérisons, nous proclamons les délivrances, nous proclamons la prophétie, nous proclamons les miracles et les prodiges. Nous proclamons que tu es à l'œuvre parce que nous te laissons toute la place. Amen. Je te laisse toute la place, Seigneur. Amen. C'est ton service. Merci, Seigneur. Tout est à toi. Amen. Tout est pour toi. Amen. Utilise ma bouche. Amen. Utilise mes faits et gestes. Utilise-moi en toute simplicité. Amen. Pour que ton nom soit glorifié. Amen. Agneau de Dieu. Tous les anges en sont à table, la beauté de ton Saint-Nom. Dignes-tu, dignes-tu, Agneau de Dieu, dignes-tu. Ce lieu est élevé sur la sainte montagne de Dieu et que nous avons part à la visitation de notre Dieu. Nous avons part aux fruits et aux récompenses célestes et je proclame que le diable n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire en cette place. Il n'a plus aucun droit. Nous brisons et nous chassons sa puissance et toute l'armée des ténèbres qu'il a pu envoyer afin gardez captifs. Je proclame que vous êtes de ceux qui sont
choses. Vous êtes les seuls qui seront libérés par la puissance de Dieu. Les placines à la machine des frères. Les sympathies des membres des maquets. Les sous de la taille à la bande des machines. Merveilleuse présence de Dieu est ici. Ouvrez votre cœur. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez à Jésus-Christ. Look at the Lamb. Regardez à l'agneau immolé. C'est vous et lui. De cœur à cœur. En esprit et en vérité. Tout peut se passer en cet instant. Tout peut se passer en cet instant. Votre vie peut changer en cet instant. Parce que vous adorez Dieu à cet instant. Dieu peut envoyer un ange qui vous touche, qui vous guérit, qui vous...
laisser le Saint-Esprit agir. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous êtes dans un séminaire où l'onction de Dieu est présente. Amen. Ouvrez large votre cœur. Ne vous sentez pas limité. Vous ne gênez personne. C'est vous et votre Dieu. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rigoler, rigolez. Si vous avez envie de vous mettre à plat ventre, à genoux, vous avez la totale liberté d'adorer votre Seigneur. Vous avez une totale liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous avez la liberté, la liberté, la liberté d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre nature, d'exprimer votre cœur. Et je commence à prophétiser. L'Esprit du Seigneur me parle. Et il me dit ici qu'il y a plusieurs personnes qui ont le don de pouvoir exprimer des mots d'amour, d'exprimer une adoration profonde, d'exprimer sa parole, d'exprimer son odeur, d'exprimer sa lumière. Mais vous faites de ceux qui ont été placés sous le boiseau. Vous êtes cachés. Vous vous êtes caché suite à de nombreuses attaques diaboliques qui avaient simplement pour but de vous faire taire. De vous faire taire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle. Et je le vois rentrer par vos narines comme un souffle de vie. C'est un moment de prière. Vous devez parler à Dieu en lui disant ceci, en lui disant ce chant. Présence de Dieu est ici. Laissez-vous être transporté. J'entre dans le sein des saints. Et toi seul.
Je suis en train de voir Dieu dérouler un tapis blanc. Et lorsqu'il est en train de dérouler ce tapis blanc, je vois que ce tapis regorge d'un liquide. Et je vois comme ce liquide comme étant du miel. Du miel. Il y a quelque chose qui est en train de couler à cet instant sur chacun. Il y a le miel du ciel et de sa parole qui est en train de couler sur vous à cet instant. Il y a le miel de Dieu. Il y a un liquide qui vient nourrir. Je proclame que vous êtes huilé du Saint-Esprit et que vous n'êtes plus saisissable à toutes les puissances des ténèbres. Il y a un tapis qui vient, un drap qui vient purifier, sanctifier, élever, restaurer, rétablir. Je vois Dieu dans mon esprit en train de prendre la décision, parce que vous êtes venu en cet instant, parce que vous êtes venu ici, il a décidé de marquer un tournant dans votre vie. Il a décidé de déployer ce drap sur vous qui va vous changer, qui va ramener à flot dans votre vie, dans votre cœur, des choses cachées depuis 10 ans, 20 ans. Je ne cesserai pas de t'adorer.
Seigneur. T'adorons, Seigneur. Nous prosternons devant toi, Père. Te donnons tout. Thank you.
Fermez les yeux. Essayez de parler un peu. Après moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'asseoir et d'adorer. Vous savez, je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait que d'adorer Jésus. Rien de mieux. Vous pouvez chercher à avoir tout ce que vous voulez sur terre. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Mais, bon, Dieu nous a positionnés ici quand même. Et il nous a positionnés avec des buts, des objectifs, des choses à atteindre, et nous avons le droit aussi de grandir, des choses à recevoir. Dieu nous a placés à la base sur la terre, d'une certaine manière, pour régner sur cette terre. N'oubliez jamais une chose, Adam y régnait, il dominait. Et lorsqu'il a péché, il a perdu ce côté immortel dans la nature de Dieu. Il a plus que perdu, il a perdu plus que ça. Il a perdu l'autorité qu'il avait. Ouais. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que perdre l'autorité. Parce que, à la base, l'autorité, c'est un don de Dieu. Lorsqu'il nous donne une autorité, il nous équipe d'une responsabilité. Et vous savez, on ne peut pas mentir. Nous sommes tous, nous devons être honnêtes. Nous avons tous envie d'avoir des responsabilités sur cette terre. Nous avons tous envie de faire quelque chose qui a de l'impact, une forme de pouvoir et de réussite. Si vous n'avez pas envie de vivre des choses comme ça, avec des responsabilités, avec des objectifs, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous devez avoir des buts, des visions. Quand je parle du mot vision, je parle bien de je visionne et je mets un objectif. Si vous n'avez pas ça, il vous manque quelque chose. Parce que c'est ça, être aussi complet avec Dieu.
c'est d'être autant la tête dans les nuages que les pieds sur terre. Et nous avons bien des problèmes dans notre Église. D'avoir des gens qui sont soit que dans les nuages, et on a affaire à des fous, ou des gens qui sont extrêmement sur terre, et qui sont religieux, ne connaissent pas les choses de l'Esprit, ne connaissent même pas la personne du Saint-Esprit. Et nous devons avoir cette notion d'équilibre. Vous savez, avec Dieu, nous devons être équilibrés. L'équilibre est très important. Et si vous êtes sur cette terre en disant « Moi, je viens juste pour adorer », tu n'as pas compris ta mission. Parce que Jésus a dit « Allez, faites pour toutes les nations participer. Prêchez la bonne nouvelle. » Vous avez un objectif. Et même si je retiens les objectifs spirituels, vous avez un objectif par votre naissance, qui est de, peut-être, avoir une famille, avoir un foyer, avoir un travail, que ça marche, avoir des revenus qui nous permettent, d'une certaine manière, d'avoir des choses sur cette terre. Si vous ne voulez pas être équilibré, même dans votre foyer, il y a un problème. Nous devons avoir des objectifs. Nous devons avoir des buts à atteindre. Sinon, comment avancer? J'ai envie de vous dire, si vous voulez juste être des adorateurs, allez dans une grotte. Enfermez-vous et laissez-nous tranquilles. Non, j'aimerais vous dire quelque chose. Même ça, vous verrez que vous y perdrez. Regardez tous les prophètes dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont vécu la solitude, qui ont été enfermés pendant des grottes. Ils ont souffert. Donc même, entre guillemets, ce côté de se dire « Moi, je m'extirpe de tout et je vais juste être dans une grotte avec Dieu », tu vas souffrir parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il t'a appelé pour être en relation. Mais n'oublie jamais une chose, il y a plein de relations qui existent. Il y a la relation avec Dieu. Vous savez, l'amour est le fruit d'une relation. Sans relation, il n'y a pas d'amour. L'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas de relation. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Donc il y a une connexion. Donc même l'amour est le fruit d'une relation. Alors si je peux en énumérer quelques-unes, je vous dirais qu'il y a la relation de Dieu avec nous. Mais même avec Dieu, nous devons comprendre qu'il y a différents types de relations. Il y a le côté serviteur, il y a quand Jésus nous appelle ami, et il y a l'époux. L'épouse qui vient être cherchée par l'époux. Donc nous avons trois types de relations même avec Dieu. Nous devons le servir, nous devons être ses amis, mais nous sommes l'épouse. C'est une relation maritale. Donc, alors, nous avons la relation maritale. Homme-femme. C'est filmé, mais je m'en fiche. Homme-femme. Amen. Point. Amen. Désolé. Désolé, mais je prends la Bible. Amen. Il y a la relation amicale. Pour avoir des amis. Il y a la relation parentale. Nous avons des parents et nous sommes parents. Il y a la relation fraternelle. Nous avons des frères et des sœurs dans notre vie par le sang, mais aussi par Christ, le sang de Christ. Nous avons des relations professionnelles. Pour ceux qui ont un travail, il y a un rapport hiérarchique, il y a des collègues. Il y a tout un tas de types de relations. Donc il y a tout un tas de types d'émotions ou de sentiments qui peuvent être véhiculés. Et Dieu nous dit lui-même que ce qu'il veut pour l'Église, c'est qu'elle soit dans l'amour, dans la fraction du pain, la fraternité. Donc si vous avez à cœur d'être isolé, sachez une chose, Dieu dit que c'est que pour un temps. Et il dit que c'est pour vaquer à la prière. S'il y en a qui veulent être seuls juste parce qu'ils sont, entre guillemets, en froid avec le monde, avec les gens, il y a un problème. Et vous devez le régler. Ce pourquoi Dieu nous dit qu'il nous donne une clé pour régler ce problème-là. Le pardon. Pourquoi nous avons besoin de pardonner? Pourquoi Dieu nous dit lui-même, pardonne celui qui t'a offensé? Parce que tu dois garder des relations. Si tu es seul, tu vas mourir. C'est ce pourquoi le diable va chercher à vous isoler. Il va chercher à justement que vous vous enfermiez premièrement sur vous-même. Il a déjà atteint quelque chose de très fort s'il a réussi à vous enfermer sur vous-même. À la base, nous sommes des êtres d'expression. Nous exprimons les choses.
nous exprimons les sentiments, les émotions, les pensées, les idées, notre intelligence. Nous exprimons, nous sommes faits pour exprimer. Même Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Alors il parlait au sens marital, mais je pense que à travers Adam et Ève, cela parle de tous les types de relations à travers l'humanité. Parce qu'ils sont le pilier prophétique du berceau de l'humanité. Donc tout ce que Dieu dit à eux, cela s'attribue à l'ensemble de l'humanité. C'est très fort. Donc vous ne devez pas premièrement être renfermé sur vous-même. C'est ce pourquoi vous devez savoir pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, en vérité, ce n'est pas celui qui vous a fait du mal qui a un problème, c'est vous. C'est vous qui êtes lié. C'est vous qui pensez à ça. C'est vous qui ruminez. C'est vous qui, des fois, allez même implorer Dieu pour qu'il fasse justice. Mais Dieu dit, ma justice, je l'ai accomplie par mon sacrifice. Pardonne, tout comme je vous ai pardonné. Et si le diable arrive en plus à vous isoler physiquement, oh, vous allez être sujet à de gros combats. Pourquoi Jésus dit à un moment que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux? Alors que techniquement parlant, je peux être tout seul dans ma grotte, il est là. I am the spirit of the Lord. J'ai l'esprit du Seigneur en moi. Je suis né de nouveau. Donc, peu importe où je vais, j'ai Dieu. Mais pourquoi il précise qu'il est bon aussi d'être deux ou trois ou plus? Parce qu'il y a des combats que tu vas gagner que quand tu es avec quelqu'un. Tu ne pourras pas mener tous les combats tout seul. Tu auras beau avoir la plus grande onction, la plus grande autorité, il y a des choses qui se règlent dans le monde spirituel que quand vous êtes deux ou trois. Amen. Si tu es seul, tu seras sujet à des combats et sujet à des grosses attaques. Tu seras attaqué par un esprit qui agit depuis très longtemps dans ce pays et qui a pris vraiment une très grande place. La dépression, l'angoisse, les esprits de dépression. Alors moi je crois qu'il n'y a pas d'esprit de dépression. Moi je crois qu'il y a un esprit qui vous pousse dans la dépression. La dépression c'est quelque chose que l'on véhicule, que l'on manifeste. La dépression est le fruit d'une émotion, d'un sentiment que l'on ressent, que l'on perçoit. Et il y a bien un esprit de dépression en fait qui vous pousse dans la dépression. Tout comme les esprits de suicide. Ils ne vous tuent pas, ils vous poussent à vous tuer. Vous voyez, c'est une nuance qui est très importante à identifier. Parce que même pour combattre ces esprits-là, il faut avoir la stratégie. Il faut avoir des stratégies. La première stratégie que je vous donne, c'est celle-là. Ne restez pas seul. C'est comme, vous savez, dans la nature. Quand le loup veut s'attaquer à un troupeau, il va d'abord chercher à en isoler une. Parce qu'une fois qu'elle est seule, c'est une proie facile. Si tu es seul, tu seras une proie facile. Et ça, c'est un grand problème. Nous sommes seuls. Dites-moi, qui se sent pas seul? Il y en a, ok, gloire à Dieu. Vous avez peut-être compris une clé. Mais beaucoup d'entre vous se sentent seuls. Dans la vie, dans le mariage, dans l'église, vous vous sentez seul. Comprenez une chose, c'est une stratégie diabolique. Et nous devons répondre avec des stratégies. C'est pourquoi nous sommes appelés aussi l'armée de l'Éternel. Donc si nous sommes une armée, nous sommes des guerriers. Si nous sommes des guerriers, nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, nous devons établir des plans et des stratégies pour gagner. Nous avons la victoire, mais la victoire doit être manifestée. C'est comme si on te disait, tu dois aller combattre Mohamed Ali en combat de boxe. Ce qui pourrait être déjà incroyable, c'est qu'on a gagné, sachant que c'était un des meilleurs. Mais tu sais que tu as gagné. Mais si tu ne vas pas sur le ring pour manifester ta victoire ne vaut rien. C'est pourquoi comprenez quelque chose. On a trop souvent tendance à croire que les esprits diaboliques, les principautés, les dominations, les autorités, toutes ces choses-là, c'est que du vent, c'est que du flanc. N'oubliez jamais un détail. Jésus-Christ les a vaincus, il les a humiliés en spectacle, il les a dépouillés, mais il ne les a pas chassés. Ah! Pourquoi? Parce que c'est votre rôle. C'est votre rôle. Dieu a fait en sorte qu'aucun ennemi, ni aucune puissance,
puissance ne puisse vous atteindre, mais eux, ils sont quand même dans le pays, ils ont tendu leur tente, et tant qu'on ne les bouge pas, ils ne vont pas partir d'eux-mêmes. Pourquoi ils devraient partir s'il n'y a personne qui est là pour leur dire de partir? C'est ce pourquoi vous voyez autant d'esprits diaboliques en France. Il n'y a personne qui les fait bouger. Ou du moins, il y en a, mais trop peu. C'est ce pourquoi ils ont infiltré tout. Ils ont infiltré l'église. Oh oui. Oh oui, vous allez dans une église, vous verrez des fois à quel point il y a des possédés dans l'église. Des fous. Vous allez dans la politique, c'est infiltré. Vous allez dans la médecine, le pharmaceutique, c'est infiltré. Tout est infiltré. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont laissés aller. Beaucoup de personnes. Vous savez, moi, je suis jeune. Là, je viens avec mon autorité ministérielle. Mais en fait, je suis jeune. Et je constate une chose. Et ce n'est pas pour blâmer. Mais Dieu avait confié des mandats à des pères et des mères spirituels dans la nation française qui n'ont pas fait leur job. Ils n'ont pas fait leur job. Vous savez, l'état catastrophique de l'Église aujourd'hui ou de la spiritualité n'est pas le fruit que d'une submersion d'esprits mauvais. C'est une mauvaise gestion du royaume de Dieu. Et nous, on arrive derrière. Et vous savez, oh, moi quand je suis arrivé dans l'Évangile, j'étais tout feu, tout flamme. Oh, j'ai pris des murs. J'ai là, hey, Jésus-Christ, bah, personne t'écoute. Quoi? Mais pourtant c'est la puissance, pourtant c'est l'onction, pourtant le message percute les cœurs sont fermés, le ciel est fermé, tout est fermé. Et nous avons la responsabilité aujourd'hui de relever un des plus grands défis, le défi du prophète Élie. C'est pourquoi l'esprit d'Élie est toujours ce qui se manifeste avant la venue du Seigneur. Toujours, vous prenez n'importe quel passage dans la Bible, vous verrez toujours l'esprit d'Élie agir pour ouvrir le chemin. Élie lui-même a ouvert le chemin par le sacrifice, par le défi. Il a défié Baal qui a starté, il a défié Jézabel, il a défié le roi. Vous imaginez? Vous imaginez? Moi aujourd'hui, en toute franchise, avec toute la foi que j'ai, je vais arriver. Si je devais faire la même chose, j'arriverais, je dirais, Seigneur, lâche-moi. Parce que là, si tu descends pas par le feu, c'est chaud. Mais il est descendu. Il est descendu. Le feu a consumé l'Holocauste. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tous fléchirent le genou et disent, là est notre Dieu. Ils se sont convertis, entre guillemets. Il y a eu un réveil, une effusion de l'esprit, le feu de Dieu est descendu, ils ont été touchés. Et puis Jean le Baptiste, il a précédé la venue du Seigneur, en expliquant quelque chose de très spirituel, très puissant. Et l'esprit d'Élie était sur Jean le Baptiste. La Bible le dit elle-même. Qu'il agissait avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pourquoi Jésus disait même que Élie devait revenir et que lorsque les disciples lui demandent « Mais quand est-ce qu'Élie doit revenir ?» il dit « Il est déjà revenu. » Et ils comprirent que c'était Jean le Baptiste. Mais non pas que Jean le Baptiste était Élie, mais l'esprit d'Élie était sur Jean le Baptiste. Alors, ok, je vais faire une pause. Parce que là, si je prends le virage à droite, je vous emmène dans quelque chose qui est très, très, très spirituel, profond, choquant. Et puis sinon, je prends le virage de gauche. Et puis, on va sur la simplicité de la parole de Dieu. Okay. Au moins, je vois que vous avez faim. Ok. Du coup, j'ai bien exprimé mon, hein, mon choix était le bon. Super. Ok. Pause quand même.
ira aussi forte que tu le voudras. Parce qu'il n'y a pas de limite à celui qui veut briller. Tu veux briller, brille. Tu veux réussir, réussis. Les obstacles ne sont que dans ta tête. Les obstacles ne sont que posés par un adversaire qui a déjà perdu. Sois spirituel. Amen. Et comprends que le monde spirituel est plus large que ce que tu penses. Le monde spirituel est plus vaste que ce que tu penses. Quand je vous dis qu'un jour, j'étais en prière, et le visage de cet homme de Dieu, Kenneth Hagin, m'est apparu. Alors qu'il est mort. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Un mort? Ça vous choque? Non. Un mort? Mais je vais vous poser une question. Quelqu'un qui est aujourd'hui avec Christ, est-il plus vivant ou plus mort que nous? Il est plus vivant. Il est plus vivant que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes dans un corps corruptible, charnel, qui meurt. Si tu as la vie de Dieu en toi, pourquoi tu vieillis? Pas. Mais c'est vrai. Parce que tu es encore dans un corps. Même l'apôtre Paul dit, je suis dans un corps limité, je suis enchaîné. Parce que son esprit a un potentiel de dingue. Même l'apôtre Jean, son esprit avait un potentiel de dingue. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean est allé dans le futur en esprit? Yes. 2000 ans en arrière, il est assis à Patmos. Une porte s'ouvre dans le ciel. Un ange dit, viens, monte ici. Amen. Il monte et il voit l'Apocalypse. Et il voit la fin des temps. Et il voit la Jérusalem arriver. Et il voit le jugement de Dieu. Waouh! Allez dans le futur. Amen. Il y a même des prophètes qui vont dans le passé. Ils vont dans ta vie et ils te disent, toi, t'as fait ça, tata. Et aujourd'hui, on va dire, mais ça, c'est la sorcellerie. Non, c'est Dieu. A plus forte raison, les dons spirituels sont des moyens d'évangélisation incroyables. T'arrives devant quelqu'un que tu connais pas. Tu lui dis, tu t'appelles un tel. T'as tel âge, t'as vécu telle situation. Comment tu sais? Dieu. Amen. Dieu m'a dit. C'est fort. C'est puissant. Et vous savez ce qui est encore plus fort? Je prends un virage à droite ou je prends un virage à gauche? Ok. L'apôtre Jean de Patmos est monté. Et on nous dit qu'il est arrivé devant les 24 vieillards. Qui sont les 24 vieillards? 12 apôtres. Et les 12 tribus d'Israël, 12 fils de Jacob. Mais s'il y a les 12 apôtres, comment il a fait pour être... C'est-à-dire que Jean du passé est arrivé et le Jean du futur est arrivé parce qu'il y a un vieillard qui vient lui parler et qui vient lui dire. Voici ce qui va arriver, voici ce qui va se passer. Regarde ce qui se passe, regarde. Tourne la tête, il y a un lion. Regarde là-bas, il y a un agneau. Le Jean du passé a parlé avec le Jean du futur. Le Jean qui était déjà assis dans le troisième ciel. Un événement qui, selon la terre, va arriver dans un futur, mais qui, selon Dieu, est permanent. Parce que dans le temps de Dieu, il n'y a pas de temps. Oui. Amen. Et le Jean du futur s'est présenté au Jean du passé. Il a commencé à lui dire, voilà ce qui va arriver. Et vous savez comment je l'ai vu ça? C'est une révélation, je vous dis. J'étais en prière. Et j'ai une vision. Et je vois Jean parler à un miroir. Puis je dis, je comprends pas. Et en fait, je me penche un peu comme ça. Et je vois qu'au miroir, il y a son reflet derrière. Et ça, je comprends que c'est le Jean du futur qui parle au Jean du passé. Le monde spirituel, mes amis, mes frères, mes sœurs, comme vous voulez. Le monde spirituel. On peut vivre des choses incroyables. Incroyables. Amen. Dites avec moi. Incroyable. Alors, je vais vous parler de plein de choses. Je dis ça, c'était que l'introduction.
Ça, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais on va parler de l'onction et ses sensations. Parce que je vais vous parler de la puissance de Dieu. Je dois vous parler de l'onction. En France, on ne nous enseigne pas l'onction. Mais je ne vais pas vous enseigner que l'onction. Parce qu'il faut aussi quelque chose d'autre qui se lie à l'onction, l'autorité. En France, on a du mal à nous enseigner comment cultiver l'onction, même si ça commence à arriver. Mais alors, on nous enseigne encore moins comment cultiver l'autorité. Parce que l'autorité se cultive. Je vais vous parler du coup de l'autorité et de l'onction. Et je vais vous parler de l'anatomie et des sens spirituels. Et je finirai jeudi soir avec les 10 types d'onction prophétique qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Et vous allez vous y retrouver dedans et vous allez dire, mais oh, merci Seigneur. En fait, j'ai une onction prophétique. Amen. Parce que ça, là, ce qu'il a dit là, cette catégorie-là, je m'y vois dedans. Et vous allez découvrir votre potentiel. À travers ce séminaire, je prie, je décrète, je déclare que vous allez renouer avec les dons et les talents de Dieu. Et que vous allez découvrir les catégories que Dieu a mis en vous. Et vous allez pouvoir les manifester.